Bonjour maître, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, jeune prince, très bien. Je suppose que tu attends ta leçon d'histoire. Oui maître, je suis impatient de savoir la suite. Vous m'aviez dit que Père s'était fait des ennemis en annexant les derniers bastions germains. Oui, beaucoup d'ennemis. Mais les plus féroces n'étaient pas ceux que ton père croyait. Comment ça? Les germains étaient nos pires ennemis? Oui, fut un temps. Mais ton père voyait grand. Il rêvait de sécuriser l'accès à l'océan et unifier l'ouest du continent en agrégeant les Anglois, François et Castillan dans le royaume. Oui, c'est vrai. Père a toujours voulu la paix au fond. Quelle que soit notre langue et notre nourriture, nous vivons tous sous la loi de Christ. C'est cela, jeune prince. Les Anglois, abattus et boutés hors de leurs terres par des paysans à haillons venus du nord, ne représentaient plus une menace, et prendre les îles angloises ne comportait pas de risque. Les François, eux, ne se sont jamais remis des attaques de ton père, ils restaient dans leur maigre royaume. La Castille, elle, était tombée aux mains du royaume de Grenade, aux mains des barbaresques, et là se trouvait le danger. Les barbaresques? Les pillards sarrasins par-delà notre mer. Ils n'ont jamais cessé d'envahir les côtes avant l'arrivée au pouvoir de ton père. Enfin, les barbaresques ont pris pied dans l'ancien royaume de Castille, et ton père se trouvait coincé, sans raison valable pour envahir l'Ulster, et bien trop dangereux pour l'armée de chasser les barbaresques sans frontières stables. Il dut ravaler pour un temps ses prétentions de conquête. Mais avec la chute du royaume de Navarre vint une opportunité. Ton père, devenu héritier du trône de Navarre, put revendiquer le territoire tombé aux mains des barbaresques, mais avec un risque de fâcher quelques têtes couronnées. Et que fit-il alors, maître? Il fit s'abattre l'enfer en réclamant les terres qui lui étaient dues. Ulster, allié au royaume de Grenade, déclara la guerre. Cela secoua le royaume sous les dissensions politiques encore chaudes de la dernière guerre avec les Germains. Aragon et la France se joignirent à la fête, et ton père dut faire preuve de diplomatie pour ne pas étriper les messagers qui venaient chaque jour lui apporter de mauvaises nouvelles. Pourquoi ne pas avoir fait une paix blanche avec le royaume de Grenade? Ils auraient pu rester loin sur leurs terres arides et on aurait pu échanger avec eux? Certainement, jeune prince. Mais je crois que ton père hait secrètement tout ce qui se rapproche de près ou de loin à un Sarrasin. Il y a la foi en Dieu, mon enfant, et on ne peut faire confiance à ceux qui suivent de faux prophètes. Oui, maître, vous avez raison. Il annexa une à une les provinces castillanes, et à sa grande surprise, l'armée fut acclamée par la foule qui vivait depuis bien trop longtemps sous les impôts absurdes réservés aux serviteurs du Christ. À la libération de Léon, et arrivée à la mer, la populace fit mettre en bouteille le meilleur vin de la région, qui fut béni dans la cathédrale de Compostelle alors en construction, avant de parcourir la moitié du continent en cadeau à ton père. Waouh! Même ton père fut surpris de ce cadeau. Cela prouve encore une fois que les clercs font un merveilleux travail de pacification des serfs et sont vitaux à l'expansion d'un royaume saint. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, il avait réussi son rêve. François, Anglois, Italiens, Germains et Castillans vivaient à présent sous la même bannière, et bien que quelques rébellions firent rage, tout l'ouest du continent était unifié. Mais la suite sera pour un autre jour. Va, mon enfant. À bientôt, maître.